Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous saluons tout le public présent ici. Les organisateurs privés du Hajj, à travers le Renofis, ont convié les médias à ce point de presse pour attirer l'attention des autorités, des pèlerins, mais aussi des acteurs du pèlerinage à la Mecque sur les urgences de l'heure. Nous commençons d'abord par saluer l'étroite collaboration entre les autorités et les organisateurs du Hajj, collaboration qui a marqué le dernier pèlerinage et qui avait permis de trouver les solutions idoines aux problèmes tenaces, notamment la question du transport aérien que nous avions tous vécu ensemble. Nous précisons que les voyagistes privés convoient 11 000 pèlerins sur les 12 860 qui constituent le quota national attribué au Sénégal. Pour cette année, l'Arabie Saoudite a déjà établi depuis le mois de juin le calendrier du Hajj qu'il faut absolument respecter. Ainsi, les opérateurs, toutes les opérations du Hajj 2025 démarrent ou ont été déclarées depuis le 4 septembre dernier et que les rencontres avec les commissariats généraux au pèlerinage devraient être clôturées au plus tard le 23 octobre prochain. Donc, on est à quelques jours de la clôture, n'est-ce pas, des rencontres au niveau de l'Arabie Saoudite entre les autorités saoudiennes, n'est-ce pas, et les pays de la Oumma. À partir du 19 février 2025, soit 10 jours avant le début du Ramadan qui est prévu le 1er mars, les premiers visas devraient être édités. Ce qui est très important. Et ceci, donc ce fait, suppose que au moins deux mois avant cette date, les opérations devraient débuter, les inscriptions devraient démarrer, l'aviation ou la compagnie aérienne choisie, les contrats avec les logeurs terminés. Et là, c'est un point extrêmement important pour une bonne organisation du Hajj. Il faut surtout souligner, dans le cadre de l'aviation, que nous ne pouvons pas signer les contrats de logement sans avoir le programme des vols. C'est pourquoi les voyagistes privés appellent à une ouverture des inscriptions le plus tôt possible et s'engagent auprès des autorités à apporter leur contribution et leur expertise à toutes les questions relatives à l'organisation du Hajj, notamment les questions de l'aviation, donc de la compagnie aérienne, de la gestion de ce que nous appelons communément l'étape de Dakar, donc c'est l'organisation des inscriptions de l'enrôlement des pèlerins, de la gestion des transferts bancaires. Les transferts bancaires qui ont été un cas d'école l'année dernière, nous le savons tous, nous qui sommes au cœur de la gestion du Hajj. Mais aussi la gestion du portail électronique, qui aussi est le nerf de la guerre, nous le savons tous. Il y a aussi l'épineux problème de l'hébergement et de la restauration à Mouna Arafat. Mais nous tenons, nous en tant que privés, à apporter notre contribution et notre expertise à l'élaboration du cahier des charges qui définit les contours du Hajj, de l'organisation du Hajj, particulièrement de cette année 2025. Nous prions le bon Dieu, donc nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que ce pèlerinage 2025 soit l'un des mieux réussis et que le Sénégal retrouve sa place. Parce que quand même, nous avions toujours occuper la place du leader
au niveau de l'âge en Afrique occidentale depuis l'AEF. C'est pourquoi aussi nous prions le bon Dieu pour que non seulement nous retrouvions notre place, mais que nous soyons parmi les mieux classés, parmi les pays les mieux classés dans le cadre de l'organisation du Hajj et dans le cadre de la Ummah islamique. Nous vous remercions de votre attention.